Salut! Yo! Salut! Aujourd'hui, on répond à la question suivante. Les applications de navigation par GPS sont-elles fiables? On va vérifier en gros le temps que vous annonce l'application GPS, qui est donc un temps calculé avec le trafic, les accidents et tout ça. Est-ce que ce temps se révèle juste une fois qu'on arrive à destination? On va tester Waze, Google Maps et plan d'Apple. Voilà. Pour ça, on va donc faire des trajets avec les GPS, mais on ne fait pas des trajets pour rien. Non. On prend pas la voiture pour faire des tours avec la voiture. On a des trajets à faire pour une autre LQC qui sortira bientôt. Enfin, ouais. Je sais pas si elle sortira. Peut-être même qu'elle est déjà sortie, je sais même pas. En gros, pour une autre LQC, on a besoin de faire ces trajets et du coup, on en profite pour faire du 2 en 1 en soi. Exactement. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On va partir pour le premier trajet. On va mettre les trois applications, donc Waze, Plan d'Apple et Google Maps. Google Maps. Qui est là. On va mettre les trois et on va essayer de les suivre. Alors je sais pas si elles vont nous donner le même itinéraire, mais c'est ce qu'on va voir. Bon, alors déjà, on vient de faire 5 mètres. Moi, il me dit de tourner à droite et pour les deux autres, ils lui disent d'aller tout droit. On va pas pouvoir faire les trois GPS en même temps parce qu'ils n'ont pas les mêmes itinéraires, donc forcément, ils n'auront pas les mêmes temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire un par un. Voilà. Donc, on va faire là d'abord, on va suivre Plan. Et puis, on va voir ce que Plan nous dit et on fera la suite plus tard. Plan nous annonce qu'on arrive à 14h20 exactement à la destination. Et bien, on va voir si c'est vrai. Déjà, il y a un changement puisque le GPS maintenant affiche 14h18 alors qu'au départ, il nous annonçait 14h20. Évidemment, il recalcule en fonction du trafic pour qu'on ait l'heure d'arrivée la plus exacte. Mais sauf que nous, non, on va garder l'heure d'arrivée de départ qu'il nous avait annoncé. Pourquoi? Parce que le but, c'est de savoir si au départ, lui, il arrive à bien calculer la totalité du trajet, le temps que ça va prendre. Il est 14h22, on devait arriver à 14h20, on est donc en retard, selon le GPS, selon l'annonce du départ. Et ça, ça fout les glandes. Et il nous reste combien de temps, Jonathan? Il nous reste 600 mètres, encore 3 minutes. Alors voilà, encore plus de retard par rapport au départ. Eh oui. Bon, du coup, il est 14h25 alors qu'on devait arriver à 14h20. Ça fait quand même 5 minutes d'écart. Bon, là, du coup, on va sortir de la voiture parce qu'on a un truc à faire pour une prochaine LQC que vous verrez tout bientôt. Et une fois que c'est terminé, on revient et on enclenche le deuxième trajet. Deuxième trajet, on va essayer cette fois-ci avec Google Maps. Il nous dit qu'on en a pour 22 minutes et on est censé arriver à 15h21. C'est parti. Alors, sur les applications de GPS, ils t'indiquent plus ou moins leur prévision du trafic qu'ils ont reçu. Donc normalement la ligne elle est bleue, mais elle peut aussi être orange ou rouge. En l'occurrence là on était passé par une ligne qui était orange et rouge. Et ce qui est intéressant c'est que ces ralentissements là, l'application les avait déjà pris en compte quand elle nous indiquait qu'on arriverait à 15h21. Et pourtant quand on a commencé à s'en rapprocher, elle nous indiquait 15h23. Là maintenant ils sont loin derrière nous et pourtant on arrive encore à 15h22. Je ne sais pas Franck. Tu sais toi, Franck? On arrive à notre deuxième stop et il est finalement 15h24 au lieu de 15h21. Et encore une fois, c'est ça le souci, c'est que l'appli avait prévu les ralentissements auparavant. On l'avait vu sur la map en dézoomant. Donc même avec cette appli-là, le temps n'est pas tout à fait correct. Nouveau trajet, cette fois-ci, on va tester Waze. On arrive dans 22 minutes, normalement, à 16h01. Eh bien, on va voir si Waze a raison. Ouais. On en est où là? Là, écoute. Alors, le GPS nous disait qu'on devait arriver à 16h01, maintenant il nous dit 16h. Ouais. Non, voilà. Ouais. Ça embouteille, c'est ça le problème. Donc je pense qu'en effet, on a gagné une petite minute, mais on va très vite la reperdre. Enfin, on n'est pas censé, parce qu'il est censé avoir pris ça en compte et ça devrait tout bien se passer. Mais je n'ai plus confiance. On est presque arrivé à notre troisième destination avec Waze et là il nous dit 15h59, on aurait donc gagné 2 minutes avec Waze. C'est beau? Waze. Tu l'as? Mélange de Waze et de Waze, l'application. Ah. Alors, à quelle heure il est? 58. 58. Oh, on a gagné 2 minutes. 3 minutes. Trois minutes. On a gagné 3 minutes sur Waze.
Le dernier trajet qu'on a fait avec Waze, on avait 3 minutes d'avance. Alors que les autres GPS, on avait quand même du retard. Du coup, on refait un trajet avec Waze pour voir si c'est un peu tout le temps comme ça ou pas. Ils nous disent 38 minutes de trajet, arrivée prévue à 16h51. On va voir ça. On est actuellement à la moitié du trajet et jusque là il n'y a pas eu de modification du temps, on y est toujours, 16h51, tout est bon. Donc on a peut-être une chance d'arriver réellement à 16h51. Ce serait fou, ce serait le grand vainqueur de toutes les applications qu'on a essayé aujourd'hui. Je crois en toi, vas-y. On arrive dans 700 mètres, on est toujours à 16h51, il affiche qu'on arrive dans 3 minutes. Donc tout le long du trajet en fait il nous aura gardé cette donnée là, c'est ouf. Ah! On vient de passer à 16h52. Non, en live. Non, mais peut-être qu'on va rattraper, roule un peu plus vite. On vient à peine d'arriver et malheureusement, on a pris une minute dans la vue. Putain, jusqu'au dernier mètre, tout allait très bien, j'étais trop confiant. Et en fait, nous sommes arrivés à 16h52 au lieu de 16h51. Alors, une minute d'écart, c'est vraiment, vraiment très faible déjà de base. Mais surtout, je vous le rappelle, sur un trajet de 40 minutes. Et donc, sur un trajet aussi long, une minute, c'est encore moins grave. En tout cas, on a fini les tests et maintenant, on passe à la conclusion. Bon, alors, après avoir fait ce petit trajet, ce qu'on peut s'apercevoir en conclusion, c'est qu'aucun GPS ne peut réellement prédire le temps que l'on va mettre à arriver à destination, quoi. Ouais, de manière précise. Précise. Alors que pourtant, quand tu lances ton chemin de navigation, tous les GPS ont donc en tête les travaux, les embouteillages, les trucs comme ça. Tout est déjà affiché sur le plan avant que tu partes et pourtant, c'est obligé de recalculer l'itinéraire et le temps d'arrivée. Ce qui est normal en soi, parce que le trafic évolue et change constamment. Il peut y avoir un accident, un truc, et ça, le GPS n'est pas devin. Non. Mais il ne peut pas donc prédire pour l'instant la circulation. Et si on doit avoir un gagnant dans les trois. Waze était le plus fiable et les autres, par contre, on est arrivé en retard. On est arrivé après le temps annoncé, donc comme quoi les GPS ont tendance quand même à donner des temps trop courts. Petite précision aussi, on a roulé normalement aux limitations de vitesse, voilà, en respectant les feux évidemment. Voilà, le code de la route en somme. Mais du coup, ça veut dire que quand tu pars de chez toi et que tu mets ton GPS pour arriver à un endroit très précis, prévois quand même une petite marge parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Parce que ce n'est pas le temps exact que tu vas mettre. Voilà. Sachez-le. Voilà, c'est un temps approximatif. En tout cas, cette question qu'on t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Salut !